quel âge Jésus? Noël, est-ce que c'est vraiment la date où le Christ est né? Est-ce que c'est exact ou bien c'est quelque chose que quelqu'un a inventé? Je voudrais savoir pourquoi on fête Noël. Enfin, pourquoi toutes les religions ne fêtent pas Noël? Un Noël idéal, c'est que tout le monde soit heureux, qu'il n'y ait pas du tout de malheureux et tout, que tout le monde soit heureux le jour de Noël. Noël, est-ce que c'est toujours un moment d'union, de réunion, de rassemblement? Moi, c'est ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus du tout de discrimination entre les peuples. Alors, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir, et avec mes trois enfants, mais l'avenir que je vais malheureusement leur laisser, en fait, me fait peur. Comment l'aborder avec eux? Question que je me pose par rapport aux prochaines élections, c'est de savoir est-ce qu'on va quand même réussir à pouvoir vivre ensemble. S'ils savaient comme en Amérique, c'est même pas la peine. C'est les pauvres d'ailleurs qui vont en pâtir. Ben, je crois que pour beaucoup de personnes, aussi bien des personnes croyantes ou non croyantes, chrétiennes ou pas, Noël est une grande fête. C'est surtout une fête de famille. Il suffit de voir les rues illuminées, les magasins. Mais pour les chrétiens, Noël a une place tout à fait particulière. Mais je crois qu'il y a d'abord l'événement historique de la naissance de Jésus. D'ailleurs, il y a un petit enfant là, une petite fille qui évoque la date de quel âge a Jésus. Bien sûr, la date du 25 décembre est une date symbolique. On ne sait pas tout à fait ni l'année ni le jour, bien sûr, où Jésus est né. Mais si cette date du 25 décembre a été prise comme pour fêter Noël, c'est que c'était d'abord une fête païenne et c'était le solstice d'hiver. Et pour nous, le Christ, c'est le soleil, c'est celui qui est la lumière dans les ténèbres. Alors il y a d'abord cette naissance historique de Jésus, et puis je crois aussi qu'il y a cette naissance spirituelle dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais moi, je trouve que cette naissance, c'est une formidable espérance, une formidable espérance. Ça veut dire que si Dieu se fait l'un d'entre nous, il est le tout autre et en même temps, il est le tout proche, l'un d'entre nous. Et quand je regarde le visage de Jésus, il m'est donné à voir le visage de Dieu. Ça, c'est tout à fait étonnant. Ça veut dire que la vie de tout homme, de toute femme, de toute vie humaine est précieuse, est importante et vitale. Voilà que la fête de Noël vient nous dire le prix de nos vies humaines. On vit dans un département comme le nôtre où on vit des tensions, des conflits, je vois beaucoup de personnes qui sont inquiètes par rapport à l'avenir. On l'a vu les interviews qui précèdent mon intervention, que beaucoup de personnes sont très anxieuses par rapport à l'avenir. Et voilà qu'il nous est dit que l'espérance peut se vivre aujourd'hui et que même dans les personnes les plus fragiles, il nous est donné à voir quelque chose de l'espérance, quoi, voilà. Moi, je crois que l'espérance est encore là. Il ne s'agit pas de dire la vie est facile, il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de violence. Pour faire advenir la paix, il y a quelque chose de l'ordre du combat, il y a quelque chose qui est l'ordre de la conversion des cœurs. Et je trouve que Noël révèle, moi, c'est l'expérience que j'ai en rencontrant tous les fidèles et puis même ceux qui ne partagent pas notre foi, je trouve que Noël révèle le meilleur du cœur de l'homme. C'est un événement extraordinaire qui m'invite et qui invite tous ceux et celles qui m'écoutent et me regardent maintenant, qui invite à devenir le frère de l'autre. Parce que chaque vie est importante. Et vous savez, dans une société, c'est vrai dans une communauté chrétienne, mais c'est vrai aussi dans une société, dans la société humaine, l'attention, que la qualité de la société, elle se vérifie dans la manière dont on a le souci des plus fragiles, des plus pauvres. Moi, je me dis, si jamais, si tous les Valdoisiens, recevant cette nouvelle de Noël, se disaient, ben voilà, je vais avec quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est en difficulté, je vais entrer en relation, en dialogue, vous savez, à ce moment-là, la vie est transformée. Le temps est favorable. Ce silence est favorable. C'est le silence de Marie et de Joseph, c'est le silence de cet enfant, et c'est le silence des pauvres. Et je crois qu'aujourd'hui, cette espérance formidable qui est née
à Noël, l'incarnation de Dieu, en le visage d'un enfant, je l'ai évoqué, eh bien, elle nous dit le prix de toute vie humaine. Et donc, je vous invite, à vous qui m'écoutez, à dire, mais finalement, comment Noël pourrait ne pas être simplement le jour ou la nuit du 25 décembre, du 24 au 25 décembre, le jour de Noël, mais que ça nous entraîne à vivre quelque chose de Noël dans la vie quotidienne. Noël, c'est la fête de la tendresse. Et ça dit le cœur de l'homme, ça, c'est essentiel. Mais pour nous, chrétiens, cette tendresse, elle a un nom, et c'est Jésus, et c'est le Fils de Dieu. Je souhaiterais, à la fin de cette intervention, souhaiter une très très belle année à chacun et chacune d'entre vous, quelle que soit votre foi, quelle que soit votre histoire, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit vos sensibilités, que cette année soit une année toujours plus fraternelle, où on est heureux de vivre ensemble avec ce qui fait nos différences, qui sont des richesses, et notre département est riche de ce côté-là, et donc que cette année soit favorable pour chacun et chacune d'entre vous, c'est mon vœu le plus cher.